À quelques heures de la réouverture du parc, ce technicien procède aux dernières vérifications sur ce manège. Je suis en train de graisser, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis en train de graisser la crémaillère du moteur pour que ça permette de fluidifier le tour. Les manèges, ils ont tourné cet hiver quand même, ils ont tourné avant la saison, mais vu qu'on a eu un décalage par rapport à l'ouverture, c'est encore plus important d'en prendre soin de nos attractions. Comme lui, la vingtaine d'employés à temps plein du parc d'attractions s'affaire à la mise en place des panneaux, au nettoyage des allées ou encore au tracé de distanciation. Sur les 40 manèges du parc, seuls deux resteront fermés comme cette attraction aquatique. Accueillir les visiteurs dans le respect des normes sanitaires est la priorité du parc. Pour cela, les 100 postes de saisonniers ont été maintenus. Un ticket pour les préparations de commandes pour les boissons et tout ce qui est froid, salade et autres, et un ticket qui sort au chaud. Okay. C'est le cas de cette étudiante qui travaillera en restauration. J'ai eu peur parce qu'on disait que les parcs, ça allait être la dernière chose qui allait ouvrir avec cette situation. On a quand même eu une période où on n'avait pas de nouvelles, donc je m'inquiétais un peu. Du coup, j'ai pas rappelé, mais renvoyé un mail. Et du coup, on m'a répondu pour dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'on allait être recontacté les jours d'après. Et bien sûr, j'ai été recontactée pour avoir une formation. Le propriétaire ne peut pas se passer de ses saisonniers malgré près d'1 million d'euros de perte de chiffre d'affaires pendant le confinement. Le parc ouvre habituellement dès avril, mais c'est durant l'été qu'il fait le plus d'entrées. Il espère donc sauver sa saison. Nous, on fait 75% de nos visiteurs sur juillet, août, septembre. Voilà, on y arrive. Là, on a mis tout en place. On a quand même des nouveautés qui sont sympas. Donc on espère et on le souhaite que les visiteurs soient au rendez-vous. On a quand même beaucoup d'appels, beaucoup de fréquentations sur notre site internet. Donc tout ça, c'est des indices qui sont positifs pour le parc. 95% des visiteurs viennent de la Sarthe et des départements limitrophes. Et Papeia Park espère qu'ils seront au rendez-vous pour allier plaisir et sécurité.